Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre des personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé créer leur vie de leurs rêves, oser être eux-mêmes, ouvrir les cadeaux que leur propose la vie et surfer sur la vague. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur vraiment d'accueillir Charlotte, qui est passionnée de l'humain, de la beauté des relations qui font grandir. Elle s'émerveille devant un regard qui nourrit vraiment quand elle trouve sa place. Ancienne danseuse professionnelle, commerciale pendant 10 ans, un événement en 2010 est venu bouleverser sa vie. Elle s'est engagée à ne plus subir. Trouver son équilibre dans ses domaines de vie lui permet d'accompagner les femmes à vivre l'expérience d'une vie de choix. Mesdames, vous allez briller avec Charlotte, j'en suis persuadée. Elle va vous inspirer. Coucou Charlotte! Coucou Céline, bonjour. Quel plaisir de te recevoir quand on voit tout ton parcours, parce qu'on se suit sur le programme Smile de Valérie Karchi. Hein? On se suit, on suit nos avancées, mais quelle évolution! Ben merci en tout cas de cette jolie présentation. C'est vrai que c'est même émouvant d'entendre quelqu'un d'autre parler de son expérience. Donc merci aussi de ton initiative. Je suis ravie d'être avec toi ce matin et avec vous toutes. Alors, la question que je pose en introduction, c'est quoi ton oui, c'est possible, belle Charlotte? Alors, je pense que c'est un enchevêtrement de plusieurs choses. J'aurais tendance à dire que c'est la vie qui m'a mis sur ce chemin-là. C'est tout un tas d'expériences, finalement, des rencontres, des choses vécues, des prises de conscience, des apprentissages. Et de me dire qu'à un moment donné, les événements de la vie font que tu n'as pas le choix que de justement te remettre en face de cette vie et de te dire est-ce qu'elle te convient et est-ce que tu es toi-même. Et en effet, ouais, c'est un événement en 2010 qui est venu me titiller en me demandant de regarder en face tout ça. Et tu parles beaucoup de vie de choix. Mmh. J'aime beaucoup ce terme, vraiment, il est très très beau. Donc, quel a été toi le déclic? Tu nous parles d'un événement en 2018, si tu n'as pas envie d'en parler plus en profondeur, on ne va pas y aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé là pour que de ce déclic que tu as eu, cet événement, qu'est-ce qui s'est passé là pour avoir cette vie de choix? Quel a été ce déclic? Qu'est-ce que tu t'es dit après cet événement de 2010? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses parce qu'on parle de cet événement en 2010, mais il y en a finalement eu beaucoup plus avant. Ces fameuses petites voix qui te parlent à l'intérieur pour te demander d'être entendue. Je fais souvent le distinguo avec ma petite fille justement pour lui expliquer la différence entre entendre et écouter. Et tu sais, ces choses qu'on entend, mais qu'on ne veut pas écouter. Et puis cet événement qui te met en face des choses et devant la réalité des situations en te disant, là, on te demande d'écouter ce que tu n'as pas voulu entendre avant. Et cette vie de choix, c'est de me dire que je n'ai pas envie de subir ma vie. J'ai envie de la choisir, même si ce n'est pas forcément tous les jours parfait, parce que pour moi, la perfection n'existe pas. Et c'est de me dire, j'ai envie d'être la plus authentique possible dans toutes les parts de qui je suis. Et de vraiment choisir un ensemble de choses qui font que ma vie est équilibrée. Je parle souvent de l'écologie personnelle. L'écologie personnelle, pour moi, c'est de vraiment écouter ce qui a du sens, que ce soit tes relations amicales, ton couple, les vêtements que tu portes, les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, ou les livres que tu lis, ou l'alimentation que tu manges, ou l'environnement même dans lequel tu vis, fait que tu dois avoir la possibilité de choisir tout ça. Et c'est une fois que tu as pris conscience de l'importance du choix, même si ça te prend du temps, que tu arrives à tendre vers cet accomplissement que je prône tant. Voilà. Alors, on précise, tu es maman de deux petites filles. Oui. En bas âge. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est très souvent les jeunes mamans qui sont comme toi, avec des enfants, avec tout ce qu'il y a à gérer sur le plan familial, la maison, etc. Souvent, moi j'entends dire « ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai les enfants ». Ben toi, tu es la preuve vivante incarnée qu'on peut avoir cette vie de choix, qu'on peut s'écouter pour être soi-même et avoir une vie normal, j'ose dire, que c'est possible. En fait. Et comment tu... Alors, justement, comment tu vis ta vie de maman? On va parler de la vie de maman. Mm-hmm. Comment tu vis ta vie de maman dans ta vie de choix, par exemple?
J'adore dire qu'en fait, les enfants sont des enseignants en eux tout seuls. Et chaque jour, en fait, si même on les observe, ils ont toujours des messages impressionnants à nous faire passer. Et c'est vrai qu'au-delà de cet événement en 2010, moi, mes grossesses, à chaque fois, m'ont fait passer des caps. Pour ma première petite fille, j'étais commerciale avec une amplitude horaire assez large. J'étais sur la route tout le temps. Et après, je me suis dit, est-ce que j'ai fait des enfants pour ne pas m'en occuper? Non. Je ne dis pas que ça a été du jour au lendemain, mais à partir du moment où je l'ai choisi, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir justement vivre cette vie de choix que je souhaitais vivre. Ça s'est fait petit à petit, parce que ce n'est pas aussi une injonction de se dire que c'est une pression hein, de se dire d'être une maman, d'être une femme, une entrepreneur, enfin, ou en tout cas une femme active, etc., d'être dans son couple super épanoui. Enfin, ça fait quand même une sacrée pression et on me l'a souvent posé cette question-là. C'est pas tous les jours facile, mais aujourd'hui, je prends le temps de vivre chaque instant. Et j'ai plus la culpabilité de me dire, bah là, j'ai par exemple besoin de temps pour moi. Je vais m'organiser pour faire garder mes enfants parce que cette journée-là, elle est importante pour moi. Ou je vais me prendre une heure vraiment, même si ce n'est pas grand-chose, ou 5 minutes, mais c'est mon moment. Et je parle souvent du couvercle sur la casserole de pâtes parce que c'est une image qui parle à tout le monde. Tout le monde sait que quand on fait cuire des pâtes, on ne doit pas mettre de couvercle parce que sinon, ça déborde. Mais tout le monde le fait. En tout cas, mon mari le fait encore. Et à chaque fois, je lui dis, mais je t'avais dit. Mais c'est un peu de se dire, enlevons le couvercle de la casserole avant que ça ne déborde. Et c'est en apprenant, parce qu'on a tous mis le couvercle, mais quand on apprend justement qu'il faut soulever ce couvercle-là pour ne pas faire déborder l'émulsion, et ben on arrive en fait à semer dans sa vie des moments de pause, des moments d'équilibre. Et de se dire que je me suis dit ça en fait au premier confinement de cette année 2020, donc l'année dernière, en me disant, je me suis rendu compte que quand maman va bien, tout va bien. Et avant d'être une maman, je suis une femme et je suis voilà, un être. Et donc, c'est cette partie-là de moi que je prends soin de chérir du mieux que je peux. Voilà. Et alors, c'est top parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont se reconnaître dans ce que tu dis parce que ben, moi, je suis maman aussi, mais il est grave, mais j'ai vécu à l'époque ce genre de choses. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile de concilier toute cette vie-là. Et je pense que voilà, les jeunes mamans de ton âge, parce que tu es très jeune, ça pourrait être une source d'inspiration et je t'en remercie. Alors, tu as décidé d'avoir ta vie de choix, pas à pas. Est-ce que tu as eu peur, est-ce que tu as eu la trouille sur ce chemin de vie de choix que tu as entamé? Oui. Et ça m'arrive assez souvent parce que même si on choisit les choses, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Dans le fait de choisir, bah, j'ai choisi déjà une vie de couple qui n'était pas forcément avec celle que je définissais au début, quand j'étais jeune. Hein. Mais dans cette vie de choix, si on parle que du côté professionnel, bah oui, j'ai quitté un poste de commercial où j'avais une sécurité, etc., pour me dire que non, parce que j'ai travaillé aussi beaucoup sur moi pendant plus de 15 ans, j'ai trouvé ma place en termes de mission de vie, si on peut dire ça comme ça. Et pour moi, c'était plus fort que ça. Et à partir du moment où j'ai senti à l'intérieur que j'étais faite pour ce genre, pour cet accompagnement-là, je me suis lancée parce que ça avait du sens vraiment. Et je ne dis pas que ça ne m'arrive pas de me lever le matin avec la boule au ventre en me disant est-ce que je vais y arriver, est-ce que mon message va passer, est-ce que finalement j'ai fait le bon choix. Mais quand on se reconnecte vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur et quand on sent que ça vibre, vraiment ça vit, il y a quelque chose qui est allumé, quoi, ce rayonnement intérieur dont je parle, on se dit non, j'ai bien fait. Et il y a une citation pour moi qui a vraiment du sens, c'est un monsieur qui a été sur mon chemin un petit moment, que j'aime aller voir encore de temps en temps, il est au Québec, il s'appelle Jean-Pierre Gagné, et il m'a dit ça une fois, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, il le dit aussi, le niveau d'insatisfaction que tu ressens face à ta vie est proportionnel au potentiel qui sommeille en toi. Et j'adore parce qu'en fait, c'est quand on sent qu'il y a un petit grain de sable qui vient nous titiller dans la chaussure qu'il faut l'écouter parce que c'est là où on doit réajuster les choses. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est aussi proportionnel à ce qui sommeille en nous. C'est génial, quoi. Est-ce que tu peux la redire, cette belle phrase? Oui. Ils vont l'écouter. Je ne sais pas si mot à mot, c'est celle-ci, mais je crois c'est le niveau d'insatisfaction que tu ressens face à ta vie est proportionnel au potentiel qui sommeille en toi. Alors, on vous pose la question. Ouais. On vous inspire à ça. Alors,
tu as eu le déclic, ça y est, tu as décidé d'avoir une vie de choix. Au niveau timing, quelle a été un petit peu ta démarche? Donc, tu as décidé, et après, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait dans la matière? Il y a eu plusieurs choses. Comme je le disais, bah voilà, j'ai été danseuse. Il y a une dépression qui a fait que bah voilà, ça met un premier petit coup dans la tête en me disant, bon, c'est pas pour rien. C'est aussi les messages de la vie qui nous demandent d'écouter ce qui se présente à nous. Donc, aux alentours de 20 ans, j'ai commencé à faire du développement personnel, ce qu'on dit. Et j'ai fait des thérapies aussi alternatives. Donc, j'ai expérimenté pas mal de choses. En 2010, en effet, j'ai perdu mon papa d'un cancer de l'estomac. J'ose en parler aujourd'hui. Et c'est aussi très important pour moi d'en parler parce que tu es très bien placée pour en parler, ce que tu, c'est ton domaine, la santé. Femme de soins, c'est ça. Les mots MAUX ont des messages à nous passer. Le cancer de l'estomac a une signification très forte pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je souhaite vivre cette vie de choix. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ne pas reproduire ce que mon papa n'a pas pu accomplir. Et du coup, j'ai tout essayé, presque. J'ai fait des thérapies, j'ai fait du développement personnel, j'ai investi sur moi parce que j'ai pris conscience que j'étais en fait finalement le navire de ma vie, c'est moi qui allais me permettre de cheminer vers ça. Donc j'ai fait du travail sur moi, j'ai fait des séminaires, j'ai acheté des coachings, des formations. Et puis en 2018, quand je suis tombée enceinte de ma deuxième petite fille, j'ai pris un coaching pour justement trouver ma place professionnelle où là j'ai vraiment affiné. Bah avec mes talents, mes compétences, mes valeurs, mon socle de vie, trouver ce pourquoi j'étais faite et ce que j'avais à amener. Et puis, à partir de ce moment-là, la vie a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont ouvert un peu plus mes oreillettes, mes écoutilles. Et j'ai pris conscience de mon potentiel, de ma valeur. Et ouais, c'est ces accompagnements, c'est ces coachings, c'est ces choses et des choix aussi que j'ai dû mettre en place. Demander une rupture conventionnelle à l'époque à mon patron quand j'étais en fin de congé maternité n'a pas été évident, mais j'ai osé en me disant, si je ne fais pas ce pas-là, bah finalement, qu'est-ce qui changera? Et il y a une autre citation que j'aime beaucoup qui dit qu'en fait, pour changer quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et j'aime aussi dire, pour être quelqu'un que tu n'as jamais été, ose être la personne que tu souhaites être véritablement à l'intérieur de toi. Voilà, à peu près, tout ce qui s'est passé. C'est très, très beau. Et c'est, en plus, tu donnes des pistes de réflexion. Donc, ça va être, ça sera très, très intéressant. Alors, du coup, ça y est, le déclic, toutes ces phases-là. Et aujourd'hui, tu fais quoi alors? Ça y est, puisqu'on parle du pro, tu parles beaucoup de temps pro. Tu fais quoi alors? Alors, ma mission, c'est d'accompagner les femmes à trouver vraiment leur plein équilibre dans toutes les parts de qui elles sont. Rayonner de l'intérieur pour vraiment pouvoir rayonner de l'extérieur, trouver cet équilibre dans ses domaines de vie. Les domaines de vie, c'est vraiment un outil d'accompagnement que j'aime proposer parce que je sens ce déclic-là en se disant je peux être une femme, je peux être une mère, je peux être une épouse, une entrepreneuse ou en tout cas active dans une profession qui me correspond et avoir un social, un domaine social qui est pleinement épanoui. Encore une fois, ce n'est pas une injonction à la perfection parce qu'on se met beaucoup de pression, mais c'est de se dire que quand on nourrit un petit peu toutes ces sphères, et ben finalement, on arrive à respirer et à rayonner véritablement. Voilà. Et du coup, tu as osé? Et qu'est-ce qui est né? Raconte-nous, là, il y a un bébé qui naît, là, je pense que l'accouchement arrive, là, je crois, là. L'accouchement arrive, là. Alors, mais, oui, c'est une préparation. Ouais, et c'est rigolo ce parallèle que tu fais avec cet accouchement parce que du coup, ma dernière petite fille est née en novembre 2018 et on m'a dit, mais tu es inconsciente de lancer une entreprise en même temps qu'un bébé. Alors, c'est vrai que ça m'a pris du coup plus de temps que ce que j'avais imaginé. Ça fait 2 ans que je suis dessus, un peu plus d'ailleurs, mais je suis heureuse, oui, de lancer mon premier accompagnement en ligne. J'ai déjà par un organisme dans lequel je fais partie des accompagnements individuels. Mais là, je me suis dit, je veux ouvrir au maximum de femmes la possibilité de prendre ce chemin. Donc, je lance mon accompagnement pour les femmes qui va s'appeler Le Chemin. Voilà. Le Chemin. Et tu peux nous en dire plus? Parce que bravo, déjà. Super. Dis un petit peu plus.
Alors, je l'ai appelé le chemin déjà parce que ça a une signification. J'aime bien donner du sens aux choses que je fais et que je propose. Et je ne parle que de ce que j'ai expérimenté. Donc, il y aura dans cet accompagnement qui se déroule sur 4 mois, donc en ligne, et bien 4 mois d'accompagnement avec des outils, avec du partage d'expérience, avec des applicatifs à faire à la maison. J'aime la musique, donc je vais partager aussi des musiques à écouter avec en conscience. Ces 4 mois où en fait on va mettre ses chaussures. J'aime bien me nommer un petit peu comme un guide de haute montagne parce que j'habite en Savoie. Et comme le guide de haute montagne, je vais montrer le chemin pour aller vers ton propre accomplissement qui ne sera pas en fait identique à la personne qui aura à côté de toi parce que chacun ses objectifs et c'est OK. Mais je te montre le chemin. Je t'aide à chausser les bonnes chaussures au bon moment. Il y aura des phases de pause de pique-nique super agréables avec des beaux panoramas pour respirer. Il y aura des moments où on va suer, où on va aller explorer des choses qui ne sont pas forcément évidentes, mais c'est en expérimentant pour moi qu'on arrive aussi à ressentir à l'intérieur ce que ça fait de vivre et pour arriver à un sommet qui sera ton propre accomplissement, donc sur 4 mois, mais j'ai envie de dire que ça peut durer toute une vie après cet apprentissage. Voilà. Mesdames, vous allez briller avec Charlotte. Alors, comment on fait si je veux prendre de programme, comment on fait ? Explique-nous. On peut mettre en lumière dans vos programmes. Il mérite, il est plein de lumière. Donc, comment on fait, Charlotte, pour si on a envie de partir dans l'aventure, à l'aventure, un rando avec toi ? Bon, eh ben déjà, merci d'en parler. On peut s'inscrire en fait par message privé sur ma page Instagram ou sur mon compte Facebook. On mettra les liens. Oui, très bien. Le site est en peaufinage, voilà, donc il y aura tout sur le site qui arrive très bientôt. Et pour moi, c'était important de le lancer ce 8 mars prochain. Le 8 mars prochain, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Non, ce n'est pas une revendication féministe, mais c'est plus pour se dire un petit clin d'œil en disant, fais en sorte que chaque jour qui arrive, on démarre ce 8 mars parce que c'est une journée, voilà, femme, et fais que chaque jour de chaque année que tu auras à vivre puisse être une journée accomplie à ton image et vraiment être celle que tu souhaites être. Voilà. C'est génial. On mettra les liens de Charlotte si vous voulez rentrer en contact avec elle et démarrer ce beau programme, Le Chemin. Alors justement, ce beau programme, tout en parcours, là, le regard des autres, où tu en es avec le regard des autres ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le regard des autres ? Parce que quand on se transforme, très souvent, il se passe des choses. Alors, le regard des autres, c'est rigolo que tu en parles parce que c'est un sujet, en tout cas, moi, qui a mis du temps à vraiment être pensé, du pansement, hein, P-A-N-S-E-R. Je travaille encore dessus par rapport à l'image du corps. On a une sacrée pression, nous, les femmes. Donc ça, c'est quelque chose que je travaille encore. Mais par rapport à l'image, mon mari me le dit encore plus en ce moment en me disant que depuis que je suis sur ce fameux chemin du plein accomplissement, un petit peu comme je m'émerveillais devant une femme, qu'elle soit corpulente ou pas, ou une femme enceinte, tu sais, qui rayonne quelque chose dans la rue, où en fait on se dit mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et ce rayonnement, en fait, on m'a souvent dit mais il y a quelque chose en toi qui fait que tu es différente. Et je dis bah en fait je suis pas différente, déjà j'aime pas ce nom différente, c'est unique. Et c'est pas tous les jours facile parce que l'image de soi, c'est pas quelque chose qui est inné. On est sacrément matraqué, nous les femmes, par rapport à ça. Et c'est de se dire, retourne à toi, regarde ton miroir. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui sont aussi l'outil des valeurs. Pour moi, les valeurs, c'est vraiment un socle intérieur qu'il faut choyer. Et sois digne et fière de tes valeurs parce que c'est vraiment ta première valeur, justement. Et quand on arrive à rayonner véritablement, les gens le voient. Et ça fait plaisir d'avoir des retours qui te disent bah, tu rayonnes vraiment et on sent que tu es celle que tu es à la maison, tu es celle qui est dehors. Et c'est ça aussi le message. C'est ne sois pas différente à l'extérieur, bien qu'il y ait des codes, bien sûr, mais sois la même personne en fait dans tous tes domaines de vie parce que c'est ça le plus grand enseignement. C'est l'intégrité pour moi, cette valeur qui est fondamentale et qui fait qu'on est authentique avant d'être une femme aussi. C'est beau. La suite, comment tu envisages la suite ? La suite de ce beau chemin ? Eh bien, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies.
J'aime le contact humain, donc il y aura forcément des présences, des contacts en présentiel avec des séminaires, des week-ends, des choses qui sont en préparation avec des partenaires. Comme toi, j'aime beaucoup la co-création, le partenariat, et donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire pour vous partager aussi que sur mon chemin, se sont placées des personnes qui ont permis ces déclics. Et je ne peux pas garder pour moi toutes les personnes qui ont permis cet éveil, donc entre autres Valérie Kerchi, mais aussi ce Jean-Pierre Gagné qui est venu sur mon chemin, ou des personnes qui, connues ou inconnues, mais qui ont permis cet éveil, qui m'ont inspirée, pas pour copier, mais pour me dire que ce qu'elles ont en elles, ça m'inspire parce que je l'ai aussi en moi, et c'est du partage, voilà. C'est ça, c'est beau la co-création, moi c'est une de mes valeurs, la co-création, parce que... Seul quelque part, on n'y est rien. Ouais. Tu sais, il y a une personne dernièrement avec qui on échangeait par message. Et, alors, ça a été mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai reçu des jolies fleurs et ça m'a fait ce joli clin d'œil aussi. Cette personne me disait que chaque fleur du bouquet compte. Et c'est ce que tu viens de dire là. En fait, c'est dans un bouquet, il y a plein de fleurs. Et toute seule, la fleur est déjà belle. Mais ce bouquet, avec toute cette unicité, fait que c'est encore plus beau. Et voilà. Et c'est vrai que moi aussi, j'adorais ça. C'est pas... Mais maintenant que je l'incarne, cette co-création, mais c'est juste magnifique. Parce que comme tu dis, on a des gens qui arrivent sur notre chemin. Jamais on n'y aurait cru déjà. Parce que regarde, nous toutes les deux, tu es en Savoie, moi je suis dans le Gard. Est-ce que j'aurais cru un jour que je ferais l'interview d'une belle femme de Savoie quand tu pars au Canada, quand je pars au Canada, de chez moi, c'est ça qui est magique, en fait. Et c'est ce que tu dis, quand on est sur son chemin, la magie peut opérer, et c'est notre magie intérieure, moi j'appelle ça, qui se met à fonctionner, et c'est fou parce qu'il y a de belles choses qui se passent, en fait. Donc, Charlotte, on arrive au terme de l'interview, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu donnes un conseil pour ceux et celles qui ont envie de faire comme toi, d'avoir une vie de choix, mais c'est un peu compliqué pour elles. Quel conseil tu pourrais leur donner ? Alors, c'est pas le seul et unique, mais je vais en garder qu'un. C'est de toujours chercher ce qui a du sens pour toi. Toi d'abord, c'est vrai que je parle souvent des valeurs. Quand tu as trouvé quelles sont tes valeurs, quel que soit le vent, la tempête extérieure, tes valeurs, c'est ton socle intérieur. Donc, je parle souvent de la boussole ou du phare. C'est de ne jamais te détourner de ce qui a du sens pour toi et de qui tu es vraiment. Ne cherche pas à plaire à quelqu'un à l'extérieur pour une valeur qui n'est pas la tienne, parce qu'à un moment donné, ça ne marchera plus. Mais vraiment toujours se recentrer à ses valeurs fondamentales et ne jamais s'en détourner. Voilà. Donc, mesdames et puis messieurs, quand même, parce qu'il y aura sûrement des hommes qui vont regarder, retournez à vos valeurs fondamentales, comme l'explique Cynthia Charlotte. Nous, on vous mettra dans les liens de Charlotte, comment s'engager avec elle sur son beau programme du chemin. Donc, vous pourrez aller vous renseigner auprès d'elle. Charlotte, merci. Merci de ce moment très doux. Et nous, on se retrouve pour un prochain Oui, c'est possible. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Et puis, merci Charlotte. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.